Bonjour les enfants, entrez. T'as jusqu'à 20h, pas plus. Oui maman, t'inquiète pas. Bienvenue au paradis. J'espère que tu t'y plairas. Je veux ma maman. Bonjour, ça fait 2 jours que ma fille n'est pas rentrée à la maison. Elle m'avait promis de revenir. Quel est le prénom et l'âge de votre enfant? Elle s'appelle Amy. Amy Tess. Et c'est ma fille. Elle a 8 ans. D'accord, on va lancer un avis de recherche, mais pour le moment, on peut rien faire de plus. Comment ça, vous pouvez rien faire de plus? C'est la vie de ma fille qui est en jeu, là. Vous êtes incompétent. Excusez-moi, je vais laisser la place au prochain. Oh. Allô, qu'est-ce qu'il y a? On a besoin d'enquêteurs pour une disparition. Enfin, pas qu'une d'ailleurs. C'est bon, je m'en charge. Je savais que je pouvais compter sur toi. Salut, qu'est-ce qui t'amène? Ma fille a disparu. T'inquiète pas, ils vont la retrouver. Viens t'asseoir, on va en parler. Ça fait depuis Halloween qu'elle est pas revenue, j'ai peur. J'ai peur de plus la retrouver. Je voudrais pas te faire peur, mais j'ai entendu récemment parler d'une légende. Puisque ta fille n'est pas la seule à avoir disparu le jour d'Halloween. C'est une légende qui raconte que si on a en sa possession les corps de 6 enfants en mode santé, et qu'on les apporte à la grotte d'Ariesconda, au moment pile où l'on change d'année, le dieu de la grotte offre à la personne qui a ramené les corps la vie éternelle. On a les 6 enfants. Plus qu'à attendre le jour J. La boss va être contente. Et si le plan fonctionne pas? Aucune autre raison que ça ne fonctionne pas. Nous avons les 6 enfants. De quoi les tuer évidemment. Et nous arriverons bien longtemps à la grotte d'Ariesconda avant le changement d'année. T'as raison, on va devenir invincible. On va mourir, pas vrai? Mais non, ça se trouve, ils nous emmènent pour notre bien. N'importe quoi! Ils nous ont kidnappés, mais ils nous ont sous-sol effrayants! Ils peuvent pas nous vouloir du bien! Arrêtez de vous crier dessus, ça changera rien ce qui va se passer. Allô? Une mère d'une des enfants kidnappés est appelée. Elle pense savoir où se trouveront les enfants ce soir grâce à une légende. Mais enfin, qui ne tente rien à rien. Une légende? Je veux pas perdre mon temps avec ça. T'as pas de truc vraiment utile qui pourrait m'aider à les retrouver? Arrête de faire la gamine et va à la grotte d'Ariesconda. C'est qu'une légende, vraiment être stupide pour croire en ça. De toute façon, je ne te laisse pas le choix, donc vas-y. Grotte d'Ariesconda, n'oublie pas. Ok, chef. J'espère que vous n'avez pas peur de mourir, car votre mort approche si vite. Ne leur fais pas déjà peur, voyons. Ils viennent à peine d'arriver. De toute façon, ils vont mourir, alors qu'ils aient peur ou pas, qu'est-ce que ça change? J'aurai l'occasion de tous les tuer un par un. C'est donc là la grotte d'Ariesconda? Complètement stupide, je comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'on m'a fait venir ici. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes en état d'arrestation, et posez votre arme! Ah, ça veut ça jouer comme ça? Crois-moi, tu sais pas à qui tu t'en prends. Entraîné ou pas, je gagnerai toujours contre n'importe qui. J'ai été élevé comme ça. Pas si vite, tu viens avec moi. Je l'ai trouvé devant la grotte. J'en fais quoi? Tu l'as. Quoi? Un enfant s'est échappé! Quoi?
Je m'en charge. Je retourne avec les gosses. Mais quels abrutis, me laissent seule. Donc vous kidnappez des enfants. Je ne te laisserai jamais nuire à mes plans. Rends-le-moi ou tu le paieras. Mélanie a appelé. Elle dit qu'il faut qu'on vienne vite à la grotte d'Aria Esconda. Alors ne perdons pas de temps. Qui ne tente rien à rien, je te l'avais dit.